tête de celui qui a fait ça. Qui a fait ça? Il sera facile à tuer. Thank you.
Ravissant Mystios, tu me laisses sans voix. On ne peut même plus cueillir des fleurs sans se faire attaquer par des bêtes. Parfait, grâce à elle. Je suis très content pour toi. Maintenant. Oui, oui, bien sûr. Je me demandais, puisque tu es là, si je prenais ces fleurs maintenant, il y a un endroit. Je ne suis là que pour l'épée. J'ai fait ce que tu voulais, alors donne-la-moi. Tu me brises le cœur, Mystios. Mais je ferai bon usage de ces fleurs. Voilà l'épée comme produit. Allons voir les parents de Stupideo avant qu'ils fassent quelque chose de. Stupideo. Mystios, tu es de retour. Tu rapportes l'épée ? En effet. Loué soient les dieux, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais... Maintenant, parle-moi de ce bouclier. Eh bien, d'après mes parents, il a été volé, pendant que j'étais à Delphes pour visiter l'oracle. Volé ? Inutile de le chercher, alors. J'ai entendu mes parents chuchoter à son sujet. Ils ont parlé d'une grotte au-delà du lac Rouge. On aurait dit qu'ils connaissaient la voleuse. Étrange. Va voir cette grotte, Mystios. Rapporte-moi mon bouclier. C'est la seule manière de protéger mes parents de ma fureur. Rends-toi à la grotte, près du lac Rouge. Tu devrais y trouver la voleuse et le bouclier. Allons trouver cette voleuse. Stupideo a parlé d'une grotte au-delà du lac Rouge. Curieux que ses parents soient au courant. Ils devraient aller le chercher eux-mêmes. Accepte ta mort, Mystios, à l'aise.
Je dirais du sang.
J'ai rêvé que je me noyais dans un lac comme celui-là. La voilà. Ce doit être la grotte. La cachette idéale pour une voleuse. On pourrait leur trancher la gorge et leur prendre tout ce qu'ils ont. Je ne peux pas faire ça.
Thank you.
Mystios ! Enfin ! As-tu trouvé le bouclier ? Oui. Tu vas pouvoir protéger les tiens de... la prophétie. Alors, tu as trouvé la voleuse ? Oh oui. Je l'ai coupée en deux. Elle ne risque plus de voler qui que ce soit. Ah ! Et le forgeron ? Ça va. Il a besoin d'un bon bain froid, mais ça va. Les dieux soient loués. Merci, Mystios. Tu as protégé mes parents de ma fureur. En fait, ta... Mais... Étrange. J'aurais aucune chance face à un Mystios comme moi. De l'eau, faites de l'eau!
On va attendre ici, capitaine! Thank you.
Tu l'as vu de tes yeux, l'avenir nous appartient désormais. Loués soient les dieux anciens et nouveaux.
Alexios. Nous n'aurions jamais dû en arriver là. Il y a bien longtemps, des gens se sont réunis pour défendre une théorie qui, à leurs yeux, aurait pu contrôler l'univers. Selon eux, le monde était constitué d'ordre et de désordre. Mais certains ont embrassé dans leur folie la sinistre cause du chaos. C'est ainsi qu'est né le culte de Cosmos. Ils ont usé de leur pouvoir pour plonger le monde grec dans une guerre perpétuelle. Ton destin était d'y mettre fin. En anéantissant le culte, tu as accompli ce que je n'ai pu faire. Tu es un héros. Mais ce déséquilibre a un prix, mon enfant. En l'absence de chaos, l'ordre règne sur tout, empêchant le progrès et la liberté. Mais il reste un espoir, grâce à toi et à l'avenir que tu engendreras. Nous devons réparer nos erreurs. Utilise ce bâton. Répare la faille de l'univers. Le monde dépend de toi, Alexios. Redeviens un héros. Alors, tu as vu, toi aussi? C'est magnifique, n'est-ce pas, Alexios? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué le dernier membre du culte. Enfin, presque. Quoi? C'est vrai. J'ai dirigé le culte, mais très peu de temps. L'arrivée de ta sœur a transformé tout ce que nous envisagions. Tu as fait alliance avec eux? Avec ce culte maudit? Les puissances en place au cœur du monde grec ne menaient à rien. Le culte voulait faire table rase. Par la corruption? L'argent sale! Il a tué des gens au cours d'une guerre qu'il a déclenchée! Attiser la guerre était l'une de ses méthodes, oui. Mais elle était contrôlée. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Dès lors, j'ai désapprouvé les actions du culte. Je croyais que Deimos était de votre côté. Pas comme nous l'espérions. Comme tu le sais, elle est incontrôlable. Elle s'est élevée jusqu'au sommet, et son pouvoir a largement dépassé le mien. Malaga. Alors tu nous as traqués. Pas vous, votre lignée. Les gens comme Léonidas, comme toi, ont toujours constitué une menace. Puis je t'ai rencontré, et tu m'as surprise. Tu ne ressemblais pas à Deimos. Pourquoi tu ne t'es pas servi de moi? Tu m'avais à portée de main. Tu m'as rendu optimiste. J'ai pensé que tu pourrais m'aider à abattre le culte devenu corrompu. Et c'est ce que tu as fait, sans le savoir. Tu as pris un risque en me disant ça. Tu sais ce que je fais aux adeptes, Aspasia. Je ne voulais plus te mentir. Le culte ayant disparu, nous pouvons travailler ensemble. Nous serions bien assortis, non ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette pyramide? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi est-elle dans les mains du culte? J'ai essayé de comprendre, moi aussi. Mais ça reste un mystère, autant pour moi que pour toi. Cela fait des décennies que le culte vénère cette pyramide. Et nous l'avons utilisée pour remplacer l'oracle de Delphes, la personne la plus respectée du monde grec. Utiliser les croyances envers des dieux morts nous aiderait à remodeler l'humanité selon nos vœux. La pyramide permet de voir à travers les époques, mais seuls certains élus peuvent activer ce pouvoir. Comme Deimos, et ceux de ta lignée. Mais toi aussi, tu as vu. J'ignore comment, ou pourquoi, mais elle m'a montré quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Toi, dans cette vision, tu détruisais la pyramide. Et tu anéantissais le culte. Je l'ai vu. Après le culte? Nous serons remplacés par un autre type d'ordre. Nous vivrons sous le règne d'un roi philosophe. La société s'éloignera des anciens dieux pour privilégier la raison.
au sein d'un royaume fait par le peuple et pour le peuple. Je dois trouver quelqu'un capable de le guider. Mais je n'ai pas pu y parvenir en raison du caractère chaotique du culte. Alors, j'ai laissé le culte de Cosmos réaliser ses projets, s'enfoncer dans l'impasse et y mourir. Attends, Périclès le savait ? Je tenais à le protéger, alors je n'ai rien dit. Cela aurait risqué de l'influencer. Mais il n'aurait jamais dû mourir, voilà la vérité. Tu as fait des choix contestables. Mais celui-là était justifié, je crois. Tu le connaissais. Il s'inquiétait sans cesse de l'état du monde grec. Si je lui avais tout dit, ça l'aurait tué. Bon. Et maintenant ? Maintenant, le changement. Une nouvelle république, unie et dirigée d'une seule voix. Je donnerai vie à ce rêve. Qui reste pour l'instant un rêve. C'est un fantasme. Oublie ce que tu sais et imagine. Oublie la démocratie. Plus de rouge ni de bleu, mais un peuple uni pour le bien commun. C'est de la folie. Ça ne marchera pas, Aspasia. Ça n'a jamais pu. Non, ce n'est pas fou, c'est éclairé. Lorsqu'Athènes aura vent de tout cela, elle comprendra que c'est là son idéal. Tout comme le tien. Ah, ça j'en doute. Tu as passé ta vie à penser par toi-même. Laisse-toi aller. Pour ce que je prépare, tu vas devoir me faire confiance. Viens avec moi. Cet avenir n'est pas un rêve. Je ne peux pas te laisser faire. Tu as déjà causé trop de dégâts. Tu as détruit la Grèce. Alors tu ne comprends vraiment rien à nos actions. Je me suis trompé sur ton compte. Moi aussi. Alexios, il reste beaucoup à faire. Je ne crains pas les orages.
Alexios, il reste beaucoup à faire. Thank you.